Nous nous trouvons aujourd'hui devant un bocal dont il manque la clé d'octave. Fabrication et réalisation de celle-ci. Pour respecter la clé originale, je vais devoir m'appliquer à réaliser une pièce qui soit égale à celle d'origine. Procédons tout d'abord au décolletage des pièces. Pour rendre le laiton plus souple et pour forger ainsi la pièce, je dois d'abord le recuire. En plongeant vivement mon laiton chauffé au rouge dans l'eau froide, je vais rendre celui-ci plus malléable. Lorsqu'on martèle le laiton, il reprend une certaine rigidité, raison pour laquelle il est indispensable de le recuire une nouvelle fois, voire plusieurs fois en cours de travail. Maintenant que la partie haute de ma clé est réalisée, je vais procéder de même avec la partie basse. Sur une petite meule, je réalise les dernières finitions. Quand toutes les pièces sont disponibles, elles sont assemblées par brasure à l'argent. Réalisation ici du pas de vis très fin qui permettra de tenir le ressort de sous-clé. Et voici ma clé qui est maintenant terminée.